Salam alaikum, Mazel Filaoun, bonjour. Aujourd'hui aussi, je vous ai ramené quelque chose. Voilà. C'est un œuf. Un œuf. Gentiment installé, douillettement installé dans son nid. Il couve. Il est couvé en attendant qu'il éclose. Vous le voyez maintenant, il est suspendu en l'air. Il n'est pas en apesanteur. Il ne trône pas ainsi au-dessus de la table par un quelconque miracle. C'est juste parce que je le tiens entre mes sympathiques doigts. Si je les desserre, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vous pensez qu'il va monter? Partir à gauche? À droite? Aller en vadrouille dans le studio? Ou peut-être va-t-on... On va voir. Je vais lâcher. Je vais lâcher l'objet. Nous allons voir. Hein. Comme on ne sait jamais, je vais prendre mes précautions. Au cas où il tombe, donc bien lui installer le nid au-dessous. Et je le lâche. On ne sait pas. Oh, il est tombé. Ajay, sapristi. Jamais je n'aurais pensé. Et il est tombé. Mais non. Je vous fais marcher. Je vous ai fait... J'ai fait une répétition avant de venir ici. Hein. J'ai essayé. J'ai fait plusieurs fois la répétition. À chaque fois, il est tombé. Et on a tous essayé ici, dans la chaîne. 100 fois et 100 fois, il est tombé, comme maintenant. Donc, on savait qu'il allait tomber. Et vous, vous vous attendiez à ce qu'il reste suspendu? Peut-être même qu'avant de s'écraser, il puisse éclore. Pas d'un... Entre là où il était et le nid, il éclose. Et pas d'un vulgaire poussin de poule, mais d'un petit aiglon. Et que d'un coup, il lui pousse des ailes immenses. Et juste avant de toucher le sol, il fait un rasement en rambissant. Puis un looping d'avion de chasse avant d'aller planer très haut au-dessus des cimes enneigées. Mais il semble que ce n'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement. Et si vous pensiez que c'est une réaction normale qu'il tombe et qu'il ne peut pas avoir, y en avoir une autre, et même que le seul fait de poser la question est d'une profonde débilité, parce que je ne trouve plus rien à dire, au point de dire n'importe quoi, alors c'est vous qui avez tout faux. Pourquoi ? Pourquoi vous allez me dire? Pourquoi vous estimez que c'est tout à fait évident que cet œuf tombe et s'écrase sur le sol alors que vous sautez au plafond? Si je vous disais que la même loi physique va s'exercer sur l'Algérie, ce n'est pas vous qui êtes logique de ne pas vous poser la même question pour notre pays. J'irais même plus. Moi, je dirais que cet objet, cet œuf, avait plus de chances de rester suspendu en l'air que l'Algérie de ne pas cracher. Bientôt. Béchar, à Dieu ne plaise. Tout le monde est là à se gargariser d'optimisme, à penser que l'Algérie gardera éternellement intacte cette bulle de prospérité, de bazar, que nous pourrons continuer ad vitam aeternam à nous dorer la tranche, à jeter l'argent à la poubelle, à la ferraille et aux égouts, que le pactole est inépuisable. Tout le monde pense qu'à la dernière seconde, juste avant de cracher, une génération spontanée sortira de l'avion qui pique du nez, que des ailes d'aigle lui pousseront par la baraka de Sidi Boudrebella, qu'elle fera un rasement en vrombissant, puis un looping spectaculaire avant d'aller planer très haut au-dessus des nations. Pourquoi douter qu'un œuf qu'on lâche puisse ne pas tomber? Alors que nous oublions que notre richesse ne provient que d'une, une seule ressource, les hydrocarbures. 98% de nos recettes financières viennent de l'exploitation et de la vente du gaz et du pétrole. Nous sommes le seul pays au monde dans cette situation. Même les pays comme la Saoudie, les Émirats arabes ou le Brunei ont d'autres ressources. Du tourisme religieux, d'affaires, de placements financiers, à l'international et autres business.
Leur puits de pétrole pourrait s'assécher demain qu'ils n'en ressentiront pas tout de suite les effets, du moins pas de façon aussi dramatique que si ça nous arrivait à nous. Alors que nous, nous tenons à un fil, un seul fil. Nous, si nous ouvrons un peu plus les yeux, on se rendrait compte que même le pain, nous l'importons. Faites vos comptes et vous verrez. Même le sel et l'eau qui sont dans le pain, il a fallu importer des équipements pour pouvoir les exploiter. Et ainsi, de la farine jusqu'au four, pour le cuire, même notre pain est importé. Mais nous ne le voyons pas, nous tous qui passons notre temps à dire « Alhamdoulilah wa shi khusna », cinq dans l'œil de l'envieux. Nous, contrairement aux pays du Golfe, il suffirait que les recettes baissent ou qu'il y ait une crise financière majeure pour que nous plongions du nez, boum, ni rasmot, ni looping, ni planement au-dessus des nations, ni participation avec les 10 nations du club spatial, comme s'en vante l'inénarrable Sellel. C'est pour ça que le régime a sauté à pieds joints sur l'aubaine du gaz de schiste, parce qu'il sait que la bulle va bientôt crever et que cette ressource inespérée va lui permettre de jouer les prolongations. Il s'en fout que ça puisse plonger le pays dans un désastre écologique irréversible, d'empoisonner pour l'éternité la seule vraie richesse du Sahara. Une véritable mer souterraine d'eau douce. Un régime prédateur qui n'a d'autre préoccupation à court terme que de gagner du temps. Après lui, le déluge. Et les spécialistes en tout genre qui ont été recrutés pour vous convaincre que le gaz de schiste est une bénédiction vous mène en bateau. Sinon, comment expliquer que la France, qui est très demandeuse de gaz et qui dispose elle-même de ressources très importantes de gaz de schiste sur son sol, ne l'exploite pas chez elle et qu'elle vienne le faire en Algérie, un pays qui est assassiné par ses dirigeants et qu'elle va aider à finir le travail? Parce que nous, avec le gaz de schiste, voilà ce qui va se passer. Mais là, j'enlève le nid. J'enlève le nid parce que le nid de tous ceux qui travaillent pour ce pays réellement. Ceux qui font que lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, il y a de la lumière. Quand vous ouvrez le robinet, il y a de l'eau. Quand vous prenez votre voiture pour aller de Constantine à Oran, il y a des routes, même si elles sont pleines de trous. Quand vous allez à l'hôpital vous soigner, vous êtes soigné tant bien que mal. Que vos enfants vont à l'école tant bien que mal. Tous ces gens, ces soldats de l'ombre, ces gens qui sont les piliers de l'Algérie. Ce jour-là, ils ne seront pas là. Ce jour-là, cet œuf, quand ils auront le gaz de schiste, il montera encore plus haut, parce qu'il y aura beaucoup d'argent. Il montera plus haut, plus haut. Parce qu'il faudra importer plus de voitures, donner plus de microcrédits, acheter plus d'armements, construire d'autres autoroutes, gruyères et des trémies inondables. Saviez-vous que nous sommes le seul pays au monde dont les trémies sont inondées à chaque fois qu'il pleut? Normalement, la première particularité d'une trémie est que même en cas de déluge, elle ne peut pas être inondée. Or, chez nous, on dirait qu'ils ont fait exprès, puisque c'est le contraire qui se produit à chaque fois qu'il pleut. Un bel exemple de l'insondable incompétence de nos dirigeants. Mais bon, donc avec le gaz de schiste, voilà comment ça va se passer. Nous allons monter haut. Très haut, plus haut encore, dans la joie et la bonne humeur, pendant que nos grands serviteurs de l'État mettront de l'argent qu'ils nous auront subtilisé en lieu sûr, là-bas, chez leurs potes qui les couvrent et les protègent, et les imposent à la tête de notre pays. Et donc, avec le gaz de schiste, quand sonnera le réveil matin, ce n'est pas qu'il tombera le pays, il sera précipité vers les abysses, et il explosera en 1000 morceaux, et la dalle lui tombera dessus, comme ça. Ce jour-là, il ne faudra pas s'étonner. Ce jour-là, quand nos enfants nous diront où nous étions pendant que des monstres assassinaient la terre mère. Ce jour-là, j'espère que nous aurons au moins la dignité de leur répondre que nous courions après les miettes qui tombaient de la table des ogres. Aujourd'hui, nous allons parler d'un non-événement sur cette punition d'un autre âge infligée à un baron du régime par les nouveaux maîtres de l'Algérie. Al-Watan. Un article signé Abdelaziz Rahabi. Le président prend l'État pour le parti. Liberté, un article de Karim Kebir.
refusant de réagir à chaud aux mesures prises contre lui, Belkhadem, un limogeage et des interrogations. L'expression, un article bizarre de Ahmed Fettani que je vous recommande vivement de lire. Moi, Brutus Belkhadem, avec nous pour faire une lecture de cette excommunication, Faisal Mattaoui et Karim Kabir, tous deux journalistes. Karim Kabir, merci de nous avoir rejoints. En attendant que je m'essuie les mains, moi. Karim Kabir. Oui, bonjour. Bonjour Karim. Alors, oui, bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors, vous dites dans votre article que c'est le président Bouteflika qui a pris contre Belkhadem ces mesures extrêmes. Vous pensez vraiment que Bouteflika est encore en mesure de décider de quoi que ce soit? Écoutez, depuis un moment, de toute la façon, tout ce qui a trait à ce qui se passe à l'intérieur du régime, on est pratiquement réduit à la spéculation, faute de d'éléments d'information fiables. Tout le monde sait que, quand même, depuis son hospitalisation, on peut dire quand même que Bouteflika n'a pas tout à fait la main mise sur certaines décisions, et on avance beaucoup que c'est beaucoup plus son frère qui est le vrai décideur concernant certaines questions politiques et certains choix. C'est pourquoi la décision de limogeage de Belkhadem, de mon point de vue, même si probablement le président a dû donner son vote, mais elle a été beaucoup plus le fruit de pression de l'entourage du président. Ça c'est indiscutable. On ne peut pas tout de même, à mon avis, c'est une question ordinaire quand quelqu'un est diminué sur le plan de la santé. C'est n'importe quel citoyen a le premier souci d'abord de se rétablir, de penser plutôt à sa santé que penser à faire des manœuvres ou à gérer. Donc c'est le cas actuellement du président, même s'il est informé sur beaucoup de questions. Bien entendu, quand on voit les ministres souvent se référer à lui lorsqu'il s'agit de certaines décisions, comme la récente décision par exemple annoncée par le ministre des Transports concernant la mise sur place d'une cellule autour du crash, franchement, elle a de quoi donner à sourire. Parce que, à mon avis, c'est pas le président qui est appelé quand même à s'occuper même sur la mise en place d'une cellule. Mais c'est pour vous dire que lorsque les ministres font trop, quand ils se réfèrent trop au président, c'est beaucoup plus simple, une façon pour eux de mettre en valeur qu'il est tout le temps présent. Mais à vrai dire, les décisions sont prises beaucoup plus par son entourage. Alors, vous dites aussi dans votre article que c'est le président Bouteflika qui a pris donc une décision de. Vous émettez plutôt dans votre article l'hypothèse que Belkhadem aurait pu être évincé pour son opposition au défilé du 14 juillet. Puis vous vous posez la question que dans ce cas, pourquoi le couperet n'est pas tombé plus tôt? Vous ne pensez pas que si c'est le cas, que si c'est bien pour cette raison, il fallait bien attendre un peu pour ne pas en faire un martyr nationaliste? Non, pas forcément. Lorsqu'on connaît, pour les gens qui connaissent en tout cas le président, la manière dont il réagit, c'est quelqu'un qui a un ego très affirmé. C'est quelqu'un qui ne s'encombre pas de certaines déclarations, de certaines critiques, certains préjugés lorsqu'il voit qu'il a été contrarié, donc il peut prendre une décision sans faire attention à tout ce qu'il peut se dire ou à tout ce qu'il peut avoir comme conséquence autour de lui. Hein. Donc même si, comme vous dites, on peut a priori supposer qu'il a pris en compte ce facteur pour ne pas faire de Belkhadem un martyr, mais tout de même, de mon point de vue, on ne serait pas resté à un mois et demi pour prendre cette décision. Parce que le contexte aujourd'hui il change. On est à la veille de la rentrée sociale
Et les grandes manœuvres vont commencer bientôt. Mais Karim Kabir, cher confrère, Ouais. vous savez, quand je rencontre des confrères parler de Bouteflika comme d'une personne normale, je suis sidéré. Je suis sidéré que nous ne nous rendions pas compte que cet homme est complètement déconnecté. Sinon, le régime aurait lui-même demandé à Ahmed Delsi d'appliquer l'article 88, donc de désigner cette fameuse commission de professeurs en médecine, pour qu'ils viennent nous dire non, non, le président est en bon état de santé, il est en mesure de pouvoir présider. Ils auraient été les premiers. Et aujourd'hui, ils en sont arrivés au point de le congeler et le plonger dans des comas médicaux, dans des comas artificiels, pour le gérer. Ils en arrivent à ne pas le montrer pendant 40 jours, comme cette dernière fois. Donc, ce n'est pas possible que nous puissions encore continuer, que cet homme a un quelconque rôle à jouer dans la décision politique. Vous savez, concernant la décision, de toute façon, ce n'est pas une nouveauté en Algérie. La décision a été tout le temps diffuse. La décision est partagée entre plusieurs segments des centres de décision. Donc, ce n'est pas une nouveauté que le président soit effacé, que le pays ne fonctionne pas. D'ailleurs, c'est la preuve que l'institution présidentielle fait partie un peu de tout fait partie un peu de tout le régime. Donc, c'est-à-dire que la décision est parfois elle se prend ailleurs, hein, et il y a beaucoup de cercles influents qui interviennent. Donc, si aujourd'hui on focalise beaucoup plus sur le président, c'est parce qu'à mon avis il n'est pas apparent, il a laissé une espèce de vide qu'il avait réussi à combler du temps sa flamboyance au début des années 2000, où il a occupé tous les espaces médiatiques, tous les espaces. Donc on avait l'impression qu'il avait toute la décision entre ses mains. Or la réalité n'est pas toujours ça, hein. Beaucoup de nominations sont faites par consensus, beaucoup de décisions de limogeage sont faites par consensus. Donc, ce n'est pas uniquement à la présidence que se prennent les décisions. Restez avec nous, Karim Kabir. Faisal Mottaoui, merci de nous avoir rejoints. Faisal, nous l'avons perdu, je crois. Nous allons essayer de le joindre de nouveau. Sinon, Karim Kabir. Des sources de plus en plus affirmées, des sources crédibles, nous apprennent qu'en fait, le cœur, le noyau du pouvoir, ce sont deux personnes, Saïd Bouteflika et Gaïd Salah, et agglomérés autour d'eux une soixantaine de généraux, d'état-major, du haut commandement, des régions militaires, du DRS aussi, les plus fidèles, ceux qui sont restés fidèles avant d'avoir. Contrairement aux autres qui ont été dégommés. Donc, on nous dit que c'est ça, le vrai pouvoir, c'est lui qui décide, et qu'en fait, tout en haut, c'est Gaïd Salah, c'est un duo, Gaïd Salah et Saïd Bouteflika, qui décident quasiment de tout. Et que ce geste qu'il vient d'envoyer, cette excommunication, ce bannissement par décret, en fait, il n'est pas destiné à l'opposition, il est destiné aux barons du régime, qui sont à l'intérieur du régime, pour leur dire, voilà, la prochaine fois que quelqu'un bronche, c'est comme ça qu'on fera. À votre avis. Karim Kabir? De toute la façon, même les gens qui ont été au sein du pouvoir vous le diront. Vous prenez le cas de Sidi Hamdi Rouzali, il n'y a pas longtemps, où on lui posait souvent d'ailleurs cette question sur le régime, comment il fonctionne. Eux-mêmes, quand ils sont à l'intérieur de la machine, parfois il y a des choses qui leur échappent. Je vous rappelle que Mouloud Hamroche lui-même avait avoué qu'au début des années 90, il a appris son limogeage à travers la télévision. C'est pour vous dire que la décision n'est pas entre les mains d'une seule personne. Aussi, le régime n'est pas bâti autour d'une secte ou de quelques individus. C'est une toile d'araignée
composé de plusieurs milieux. On n'a pas tout à fait les éléments pour mieux situer exactement où se situe le centre des décisions en Algérie. Ça a toujours été le cas. On est réduit souvent à des spéculations, à des recoupements d'informations, dans l'espoir un peu de faire des lectures, mais souvent, on se retrouve d'ailleurs parfois dans l'erreur parce que nous n'avons pas tout à fait la maîtrise pour connaître exactement les mécanismes de fonctionnement du régime Mais algérien est-ce que vous qui est un seriez des plus d'accord, opaques dans la planète. est-ce que vous seriez d'accord que quand on vous dit, si on vous dit que Saïd Bouteflika est au moins dans le premier cercle? Oui, bien entendu, parce qu'il faut, il faut comprendre aussi que la présidence, sur le plan constitutionnel, elle détient beaucoup de pouvoir et beaucoup de D'accord, choses. On n'a jamais caché mais son Saïd. intention d'exercer ses prérogatives, chose qu'il a fait jusqu'ici. Et probablement, depuis qu'il est un peu diminué, c'est son frère quand même qui se charge un peu Voilà, voilà de faire le nœud du activer problème. et de mettre en pratique un peu ses décisions. Mais le nœud du problème se trouve là. Nous sommes dans une république supposée. Or, ce Saïd Bouteflika n'a aucune fonction en dehors de celle de conseiller la présidence. Institutionnellement, il n'a rien à faire dans les milieux décisionnels. C'est dire que s'il est arrivé à s'imposer à ce niveau-là de décision, c'est qu'il est vraiment à la tête, ou du moins qu'il le partage avec l'armée, avec ceux qui sont autour de lui. Moi, ce que je peux vous dire, du moins j'ai l'impression, du moins c'est un avis personnel, c'est toutes les décisions sont prises de manière concertée entre les divers cercles qui composent le régime. Donc, si Saïd Bouteflika a pris cette décision, probablement pour des considérations qui est liée, peut-être que ça a contrarié un peu les plans mis en place pour préparer la succession du président, mais toujours est-il que d'autres cercles ont été associés à la décision. Mais pour dire que Saïd Bouteflika règne en maître, personnellement, je suis un peu, quand même un peu prudent pour avancer cette thèse. Alors, est-ce que d'après vous, cette décision très spectaculaire, très violente, très brutale, magistrale, est-ce qu'elle aurait été prise dans un sens donné? Est-ce que c'est un signal destiné à une population donnée, à une catégorie politique donnée? Est-ce que c'est un avertissement? Bon, on parle de spéculation comme quoi Belkhaddem représentait un peu l'aile islamo-conservatrice un peu du parti, comme quoi Bouteflika veut abandonner un peu le courant islamiste. Mais moi, personnellement, je ne m'engage pas dans ces grilles de lecture parce que souvent au sein du sérail, les décisions se font autour de stratégies qui font très peu cas du peuple algérien. C'est des clans qui se placent, qui souvent font la guerre autour d'intérêts qui dépassent largement les petits calculs autour de certaines entités au niveau de la population. Rabah Kébir, merci beaucoup. Merci, en espérant vous revoir bientôt dans nos émissions. Faisal Mattaoui, bonjour. Salam alaikum. Bonjour Jamal, Bonjour. Alors, on assalamu vous a alaikum. encore difficilement trouvé. Il y a un problème avec votre téléphone, vraisemblablement. Alors, Visiblement, oui. il nous reste plus de temps, malheureusement. Il nous reste à peu près 3 minutes. Si vous pouviez nous faire une lecture sur ce non-événement qui est le limogeage spectaculaire de Belkhadem, mais qui en fait en dit très long sur l'état du régime. Qu'est-ce que c'est et à qui est destiné cet avertissement?
Non, mais je pense qu'il y a une comédie à de l'alté, Jamel, dans la sphère politique algérienne. Parce que rappelez-vous, Belkhadem, depuis 1999, date de l'arrivée du président Bouteflika au pouvoir, a été nommé coup sur coup ministre des Affaires étrangères, puis premier ministre, puis représentant personnel du président de la République, puis il a été conseiller. Donc, à chaque fois, il est appelé pour des fonctions, puis il est démis de ses fonctions. Et rien n'empêche C'est que vrai, c'est vrai. Belkhadem revienne l'année prochaine pour un nouveau poste au sein du pouvoir. Donc, je crois que c'est pas vraiment. Vous avez bien dit, vous avez bien évoqué la question du non-événement, et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un non-événement parce que Belkhadem, de toute façon, il a lui-même n'a rien dit, il n'a pas dit grand-chose. C'est pas un homme qui va passer à l'opposition, c'est pas un homme qui va donc développer un autre discours. Je crois que ce n'est pas aussi important pour qu'on puisse juger s'il y a quelque chose qui a bel et bien changé au sein de la politique algérienne, au sein du Sahel, au sein du pouvoir. Donc je crois qu'il faut attendre un peu la suite des événements, attendre septembre, peut-être qu'il y aura des changements, non, c'est rien. Mais cela dit, ça fait partie de la comédie politique algérienne. Mais Ceci est un bannissement de Belkhadem. on dit que ça bouge un peu au sein du Sérail, que les gens sont un peu paniqués à cause de l'état de santé de Bouteflika, qui commence un peu à sortir des rails, et que Saïd et Gaïd ont voulu envoyer un avertissement très fort aux gens pour leur dire, quiconque bougera le petit doigt, il lui arrivera ce qui est arrivé à Belkhadem. Je ne suis pas vraiment d'accord, Jamel, avec vous. Je ne suis pas. Parce que Oui. connaissant les rapports qu'il y a entre Belkhadem et le président, le rapport qu'il y a entre Belkhadem et ceux qui sont autour du président, je ne crois pas que ce soit ça vraiment le résultat. Parce que de toute façon, s'il y avait de changement à faire, s'il y avait possibilité de faire changer les choses, c'était bien avant les présidentielles d'avril 2014. Je crois que le train est bel et bien parti. Les changements n'auront pas lieu de tout de suite. Tant qu'il n'y a pas donc une prise de conscience sur la nécessité de passer à une autre République, de passer à une nouvelle démocratie, d'avoir un véritable parlement, d'avoir de véritables institutions, d'avoir de véritables partis, d'avoir une classe politique cohérente qui a des idées, qui a donc un projet de société, on va tourner autour du pont et on va avoir, comme ça dit, comme c'est des petites décisions, bannissement, éloignement, guerre à l'intérieur du Sérail, alors qu'en réalité, rien ne change. Faisal Motaoui, merci infiniment. J'espère que la prochaine fois, on vous trouvera en début d'émission. Merci et à la prochaine. Cette émission est maintenant terminée. À demain, j'espère. Merci. Salam alaikum. Azul.